interview accessible. Accessible pour de plus en plus de patients grâce au progrès de la recherche, mais encore inaccessible pour certains patients et tout simplement pour monter dans le bus, carton rouge. Accessible. La preuve, avec sclérose en plaques et talons aiguilles, ça a été une expérience très belle qui a débouché sur des rencontres humaines vraiment chouettes. Encore inaccessible, mais il y a de gros progrès faits grâce aux campagnes des associations. Ça reste compliqué de comprendre que s'il ne se voit pas, le handicap peut être vraiment invalidant. Pas assez accessible, un handicap, c'est 2 fois plus de risques d'être au chômage et 3 fois moins de chances d'être en emploi. Carton rouge, encore. 100% accessible, c'est la seule communauté inclusive avec des femmes, des hommes, jeunes, plus expérimentés, avec un handicap ou pas, et entrepreneurs, salariés en recherche d'emploi. Rejoignez-nous. Accessible si les facultés et universités proposent des aménagements, c'est pas le cas partout. Il y a encore des progrès à faire. Accessible sur le site cepensemble.fr. Accessible à condition de les adapter à ses limites physiques. Ça demande de la créativité. Accessible, je suis joignable pour tous les patients sur les réseaux sociaux. À très bientôt !